Je suis né en 1968 et quand j'avais 10 ans, la fête le samedi soir à la télé, c'était les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier. Mariti et Gilbert Carpentier étaient un couple de producteurs qui réunissaient dans les mêmes émissions des immenses stars de la chanson et de la comédie pour faire des sketchs et des duos improbables dans le seul but de vous distraire. Ben c'est ce qu'on va faire ce soir. J'ai réuni une bande de copains qui vont se lâcher pour vous faire rire et pour que ça chante. Alors avec une pointe de nostalgie des années 70 et surtout de grands enfants qui s'amusent avec leur talent, tout leur talent. Vive la musique et vive le rire. L'amitié. Muriel, tu te rends compte, cette amitié qu'on a depuis 30 ans. Mais oui, Pierre, je me rends compte. Ce lit, c'est l'océan. Et nous sommes roulés par les vagues de l'amitié. On dort même dans le même lit. On a chassé nos amoureux. Reuse ? Oui, reuse. Mais t'as vu qu'on n'arrive pas à se lâcher. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu me colles, toi hein? C'est fou, ça. Mais je suis sûr qu'on a dû être un couple dans une autre vie. C'est pas possible. Bon, ça, je sais pas. Moi, je m'en souviens pas. Hein? Non, je veux dire que je garde mes vêtements. Voilà. Ah, oui. Mais Louis XVI et Marie-Antoinette, John et Marilyn, Adam et Ève, Pierre et Marie Curie. Moi, je suis sûr qu'on a dû être tous ces couples-là. Enfin, Louis XVI et Marie-Antoinette. Non, mais oh. Tu nous vois. Oh oui. Toi, Louis XVI, et oui. Moi, oh, Marie-Antoinette. Oh oui. Bonne année 1789, ma chère Marie-Antoinette. Bonne année 1789, mon cher Louis. Et la bise. La bise. Oh. Je la... Oh. Ah bon? Oh. Mais quelle carte mancienne? Soi-disant médium que fréquente la duchesse de Bayonne et le comte de Burne, qui, à ce qui paraît, ne se trompe jamais. Je peux vous dire qu'hier, elle s'est vraiment trompée dans ses tarots. Que vous a-t-elle dit? Non, ça va vous faire rire. Et en plus, vous allez me trouver ridicule d'y avoir cru... Un instant. Non, ça va me distraire. Dites-moi. Soulèvement du peuple, révolution et fin de règne avant la fin de l'année. Non. Je l'ai fait fusiller, au passage. Enfin, c'est-à-dire que moi, à la fin de l'année, je suis plus reine. Enfin, Non, mais elle est dingue, cette carte ancienne. Elle était. Non, puis alors, le pompon, alors la dernière carte qu'elle tire, c'est la mort. Alors moi, je lui réponds du tac au tac, oui, ça, je me doute bien que je vais mourir un jour. Bon. Elle me dit non, pas un jour, dans pas longtemps. Là, vous connaissez mon humour. Écoutez, je pense que c'est à vous que vous avez tiré les cartes.
Parce qu'effectivement, je me suis soulevée, mais de ma chaise, une heure après, elle était morte. Le fameux humour autrichien. Ça sert à quoi, en fait, de foutre les jetons comme ça à tout le monde? Enfin, vous y croyez, vous, à tout ça? Vous croyez que c'est possible? Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Bonne année 1789. Vous croyez qu'on va être plus roi et plus reine comme ça, hein, qu'il y a le peuple qui va sonner à la grille, salut, c'est le peuple, on a un peu faim. Est-ce qu'on pourrait tuer le roi pour avoir un peu de pain? On est d'accord qu'en reine, c'est la vie. Ah, mais bien sûr. Enfin, et que le peuple, il passe son temps à râler. Mais enfin, franchement, mais bien il sûr. A rien de nouveau. Hein. Il râle depuis Louis XI, le peuple. Non, mais c'est vrai qu'elle a fini par me faire douter. Hein. Non, je la retiens, la duchesse de Bayonne, avec sa cartomancienne, parce qu'elle m'a dit, quand même, juste à la fin, elle me dit, la dernière image que j'ai, c'est un panier. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas dit « Vous êtes une grande reine, on peut pas nier ?» Ah non. Alors là, ma tête sur le billot, elle m'a parlé d'un panier. Vous savez quoi? Pour vous montrer qu'on ne risque rien, je vais augmenter les impôts la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, vous allez voir que le peuple, hein, même au bout du rouleau, il aime son roi et sa reine. Oui. Et puis, je vais vous dire, hein, faut la trouver, l'adresse du château de Versailles. Elle est dingue, cette tireuse de cartes. Enfin, en l'occurrence, tireuse de cartes, hier, c'est sur elle qu'on a tiré. Alors, pour changer de sujet, on est en janvier, et je veux absolument qu'en juillet, on s'organise tous les deux un grand voyage dans toute l'Europe. J'ai prévenu mes ministres, le 14 juillet, je ne veux plus entendre parler de boulot, on saute dans un carrosse et à nous la vie de bohème. Comme je vous aime, mon Louis, comme vous me gâtez. Mmh. Et d'ailleurs, moi, ce soir, j'ai une surprise. Ah oui? C'est quoi? Je suis sans culotte. Non! Voici le premier des duos qu'on a préparé pour vous. Le principe est simple, que de nouveaux talents rencontrent ces chanteurs qui ont connu la grande époque des Carpentiers. Entre découverte et admiration, vive la différence de génération. Laissons-les chanter. Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de morte fontaine, où vont à morte saison tous les chasseurs de la plaine. C'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Bonsoir Chantal. Bonsoir Christophe. Je suis ravie, vraiment ravie de vous rencontrer. Mais c'est pour moi, il y a toute mon enfance là d'un coup. Voilà. Donc c'est quand vous avez fait pour la toute première fois une émission des Carpentiers du coup? Eh bien, il fallait. Un jour, Mariti m'a appelé, m'a dit qu'est-ce que tu fais Chantal? Alors j'ai dit moi je fais rien, le cinéma c'est trop compliqué. Je suis en train de faire un potager, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit tu peux pas me demander à Jean-Jacques, c'est très urgent de t'écrire vite une chanson parce que Brigitte Bardot est malade, elle ne peut pas venir, c'était la partenaire de Carlos, il lui avait écrit déjà professeur Carlos, Jean-Jacques, il manquait 6 minutes et Jean-Jacques me dit, ta maman est née en Martinique, il s'est mis au piano, il m'a fait adieu mes petits élèves de la Martinique, oui, et je suis partie au bout de chemin avec tous les gosses du village et mes enfants, on a pris le train, le métro, on est arrivé au studio 17 et on a chanté avec un foulard à la main tout simplement, et là il y a eu plus de 500 000 lettres qui sont arrivées. Mariti m'a dit, Chantal, il faut te consacrer totalement aux enfants, tu es comme eux, tu leur ressembles, et c'est cette chanson en 1975, qui a existé pour la première fois. On la chante là un coup. Adieu mes petits élèves de la Martinique. Je fais la classe aujourd'hui pour la dernière fois. On me renvoie vers la France, adieu la Martinique. Mais tout là-bas, je ne vous oublierai pas. Adieu les jolis foulards, adieu tous les matrasses. Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. J'emporterai
C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a dans la vie toujours un jour. C'est dingue cette chanson. Il y a l'histoire du charboté aussi, le charboté, parce que ça c'était, il y avait, c'était tout le spectacle aussi avec la planète merveilleuse. C'est on ça. A fait un grand château qui avait les yeux du charboté qui bougeait dans tous les sens parce qu'on a fait des gros spectacles quand même. Et du coup vous me feriez un petit coup du charboté là ah comme oui, ça. Ah oui, le charboté, tu que j'ai fait en flamand. Ah non mais en français moi pour le coup. Oui si oui vous oui, voulez oui bien. Chante-la. Alors on y va. L'histoire, difficile à croire, de cet homme qui n'avait rien, cacha de misère, qui a su y faire pour lui changer son destin. En chaussant des bottes, en mangeant un ogre, en peu de temps il changea. D'un coup de baguette, son malheur maître, en marquis de Carabas. Monsieur le chat botté, vous n'allez pas me griffer. J'étais venu faire un petit tour afin de vous dire bonjour. Vous êtes le chat le plus beau de cet étrange château. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée, votre beau manteau. Je suis le chat le chapeauté, je ne veux pas vous griffer. Si vous défendez les enfants, les pauvres et les braves gens. Monsieur le chat me chapeauté pour faire trois petits pas. Ah, j'ai une surprise pour toi. Ah bon ? Alors, évidemment, quand tout le monde te connaît, je me suis dit, en général, les artistes comme moi, les jeunes veulent chanter mes chansons. Mm-hmm. Bon, mais moi, j'ai dit non, pas question, c'est moi qui vais chanter leur tube. Ah. On va faire le contraire. Et vous avez choisi quoi ? Et j'ai choisi Double Jeu. N'oublie pas que je suis Gémeaux. Ben là... Et là, je te dis pas ce qui va se passer. Ah là, attends, j'y vais, j'écoute. Quand je serai grand, je serai Gucci's. Ou bien pilote Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir noir. De toutes les couleurs, j'aime en voir. Écoute-moi bien, c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? Alors c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? De toute façon, quand je serai grand, je serai Bee Gees. Non mais alors là, là c'était carrément inattendu, je m'attendais pas. Ouais, j'ai pris ta tonalité en plus. Hein. Ah mais carrément. Hein, j'ai pas fait en dessous ni au-dessus, j'ai pris ta non, tonalité. Non, c'était... Elle est pas hein simple à chanter cette chanson. Oui mais comme m'a dit Jean-Jacques, chante-la parce que tu aimes les chansons rythmées et tu te débrouilles très bien. Mais ça vous va hyper bien. Et là, il y a une chanson, oui, réellement une chanson que j'adore, c'est oui. « Voulez-vous danser grand-mère ». Ah bah alors celle-là, on l'a chantée la dernière chez Jacques Loussier là-bas. Jean-Jacques m'a dit, j'ai envie que tu chantes « Voulez-vous danser grand-mère ». J'ai dit, mais c'est un vieux machin ça. Il me dit, bah justement, comme c'est un vieux machin, eh bah, tu vas gagner 5 ans et on va mettre le rythme de Sonny and Cher dedans. Tu vois un peu comment il avait d'accord vu juste. Non mais c'est dingue. Et on avait mis la chanson, le rythme de Sonny and Cher sur « Voulez-vous danser grand-mère » et voilà, ça fait un tube énorme. Je la chante toujours. Hein. Alors du coup, on y va ? On y va. On y va, puis vous allez chanter chez vous avec moi. Bande de copains dit bande de potins. Et un potin qui vaut de l'or, c'est Nathalie Baye qui me l'a raconté. Elle aussi a fait des émissions des Carpentiers. Et figurez-vous que c'est sur une émission des Carpentiers qu'elle est tombée amoureuse de Johnny Hallyday. Elle devait faire un sketch avec lui. Elle est arrivée, elle l'a vu et elle m'a dit « J'en suis tombée raide dingue ». Pour vous dire qu'il n'y a pas que des chansons et des sketchs qui se passent dans ces émissions de variété.
Tu vas bientôt arriver, là, je ne peux pas trop te parler. C'est 150 euros de l'heure, et si on s'entend bien, je peux la garder la nuit pour 600 euros. Tu trouves ça cher? Je sais pas, moi, c'est la première fois que je fais ça, moi. Je trouve ça horrible, puis en même temps, super excitant, quoi. Hein? Ah bah non, justement, call girl, c'est pas pute. C'est plus... on baisse pareil, mais on parle un peu avant, quoi. Ah non, je la connais pas. Mais comment veux-tu que je connaisse une call girl, moi? Non, c'est un type au bureau qui m'a refilé le tuyau. Enfin, le tuyau, le numéro. Il m'a dit qu'il était vachement branché call girl, que c'était génial, que même au niveau humain, c'était... Et puis qu'on y va au cul, c'était... Enfin bref, au bout d'un moment, ça m'excitait, puis je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. Et puis il m'a refilé le numéro de sa meilleure... Voilà. Bon, écoute, j'ai pas envie de tomber amoureux en ce moment, et j'arrive pas à oublier Amandine. Et comme j'ai un peu envie de... échange de textos, elle s'appelle Sophia, j'ai du liquide, des préservatifs, au pire, je sais pas, ce sera rigolo, hein. Ah non, je te raconterai pas. Ou alors on fait moitié-moitié. D'accord, ça. Ok, je te raconterai. Oui, dans le détail. Puis je te filerai le numéro, si tu veux, d'accord. Allez. Hein? C'est ça, allez. Ça t'excite, hein, toi, hein? Oh putain, c'est elle, là, je raccroche. Hein? Non, je raccroche, ça me gêne, là. Putain, t'es sûr? Putain, t'es con, toi. Bon, c'est vraiment parce que c'est toi, hein? Entrée, c'est ouvert. Amandine? François? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est chez toi? Oui. Et c'est toi qui m'as... Oui. Enfin, c'est moi qui t'ai... Quoi? Appelé. Donner rendez-vous. Tu t'appelles Sophia? Oui. Oh, putain. Oh, pardon. Oh, c'est dur, ça. Je pensais pas te trouver là. Moi non plus. Mais j'ai pas reconnu ton numéro. C'est mon numéro professionnel. Moi non plus, j'ai pas reconnu ton numéro. J'en ai changé. Me dis pas que t'es call girl. Si. Comment tu peux? Faut pas faire ça. Et toi, je savais pas que tu fréquentais des call girls. Mais moi, c'est la première fois. Mais moi aussi. Oh non, c'est pas vrai. C'est un collègue de bureau qui m'a donné ton... Oh putain. Oui, c'est une de mes premières fois. Une de tes premières fois. D'après mon pote, t'es la meilleure. C'est qui ton pote? Michel Leroux. Ah, Michel, ouais. Tu le remercieras du compliment. Mais c'est horrible. Mon ex-femme n'est pas une pute, quand même. Une call girl, François. Oh, ça va, hein. Pute, call girl, c'est pareil, je m'excuse. Bon, je me casse. Non, reste là. Tu me donnes pas d'ordre, François. C'est moi le client. Ah, d'accord. Tu veux quand même... Tu ne devrais pas payer, quand même. Si. Non. Je peux faire un prix d'amis. Un prix d'amis? Mais... Amandine, c'est moi. Si je veux refaire l'amour avec toi... Tu payes. Ça te gêne pas? Non. Ok. Ok, Sophia. Ok. Bon, tu payes d'avance? Oui, je préfère. Ok. Bien. Merci. On dit que je suis arrivée à 15h10. C'est bon? Tout ce qu'on s'est dit, ça compte déjà? Oui. Arrête, François, tu joues le jeu ou tu le joues pas. Hein. D'accord, ok. Je bosse, moi, là. Oui. Ok. C'est joli chez toi. Merci. Je peux utiliser la salle de bain?
Et voilà, c'est par là, ici. Fais-toi à l'aise. Merci. Oh putain. Oui, bon, Eric, je te rappelle, hein. On oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans. Que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irai bien faire un tour du côté de chez Swann, de voir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous les chênes et se laissait embrasser sur la joue. Mais je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierai cher pour vivre. Le temps des bonheurs à l'ombre d'une fille en pleurs. Bonsoir Dave. Bonsoir Monsieur Vincent. Ça va bien? Mais écoute, de trouver un chanteur avec de la voix en direct sur une scène, c'est une immense plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu sais que pour moi, c'est super émouvant parce que quand j'étais gamin, je regardais la télé et je regardais Les Carpentiers. Je voyais toute cette bande de copains, vous aviez l'air de vous éclater à la télé. Et de on s'amuse bien, c'est danser, pas faux. Danser, chanter. Et je dis, oh, moi, quand je serai grand, je voudrais faire ça. Quoi. Et aujourd'hui, me retrouver en face de toi, c'est super émouvant. Donc, tu es grand, maintenant. J'espère que j'ai grandi un bon, peu. C'est bien. Alors, tu veux que je te chante quelque chose? Bah oui, ça serait super. Il y a une chanson qui est techniquement trop difficile. J'aime bien ta lucidité. J'ai toujours été très lucide. Merci. C'est, tout le monde la connaît. Vous pouvez chanter à la maison. C'est... Vanina, tu nous ferais pas un petit bout? Musique, please! Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque. Et tout est dépeuplé. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Vas-y, toi. Tu m'engages? Pas mal, ça. C'est impressionnant de chanter devant toi. Oui, oui, oui. C'est ce que surtout ta chanson, quoi. C'est ce que me dit dans la salle de bain aussi. Bon, dans le miroir. Mais j'ai l'impression que je devrais en chanter une de toi, maintenant. Ah, mais écoute, c'est comme tu veux. Ça te convient? Bah écoute, ça serait pas mal. Tu penses à laquelle, toi? Bah, est-ce que tu penses que je pourrais faire Ameno? Ameno? Ah ouais. Ok. Je peux essayer? Allez. Tu m'aides au début. J'ai tes cœurs. Oh, c'est beau. Interremo ai a pare d'orime, ameno, ameno, latiremo d'orime. Le problème des deux chanteurs lyriques. C'est ça. Il y en a toujours un qui peut chanter plus fort que l'autre. Il peut plus s'arrêter, en fait. Écoute, je ne sais pas si c'est vraiment la chance ou le hasard qu'on est ensemble ici. C'est une chance, c'est une chance. Toi, tu avais quelqu'un avec qui tu t'entendais
vraiment particulièrement ? La question comme ça, il faut vraiment faire tout de suite dire le nom qui me vient dans l'esprit, et c'était Dalida. Okay. C'est vraiment parce qu'elle était de part tellement gentille, en plus tellement dispo, professionnelle. Et j'ai de très bons souvenirs de Joe Dassin aussi, tu vois, parce que chanter du Joe Dassin, c'était quand même de la bonne variété aussi. Ouais. Et chanter avec Dalida un air d'opérette, c'est des bons souvenirs. Chanter un air avec Vincent Niclot, ça va être pas mal aussi. Tu crois ? Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Oh là là. Mais quel métier. Est-ce que tu crois que c'est par hasard ? Est-ce par hasard ? Vous connaissez l'intro ? Allez. Allez. Comme ça. Par hasard, si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici, où tu te trouves aussi. Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? On m'a toujours dit que les femmes veulent avoir de derniers mots. Cette fois-ci, c'était un homme. Quel dommage que c'est déjà fini pour nous. C'est déjà fini, mais c'était super. Je suis sûr que quand ils nous ont entendus ensemble, ils vont nous reprendre. Tu crois ? Oh là, je le sens, je le sens. On va faire un disque. En attendant, on vous salue bien bas. Merci infiniment, Dave, pour ce moment. Merci d'avoir chanté avec nous. Je ne l'aurai jamais, merci beaucoup. Dis donc, Adolf Hitler et Eva Braun aussi, c'est un couple célèbre. Oui, 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 mais je sais pas pourquoi. Je préfère Pierre et Marie Curie. Oh, je sais dans quel couple tu serais magnifique. Ça serait Mona Lisa si j'étais Léonard de Vinci. Mais ils étaient ensemble. Oh, ben ils ont forcément fricoté. De toute façon, ils étaient indissociables. Bon, mais moi, je me trouve un peu carré, tu vois, pour Toi, tu pourrais faire... La Joconde ? La Joconde, ah oui, si, toi, t'es... Dis donc. Oui, alors à ce moment-là, si toi, tu fais Léonard de Vinci, ah. La Joconde, il faudrait la beauté à l'état pur. Mm-hmm. Tiens, Carole Bouquet. Ah oui, la beauté à l'état pur. Et moi, le vieux peintre, à l'état pur. Qu'est-ce que tu fais ? Ben comment ça, qu'est-ce que je fais ? Je pose ? Non, qu'est-ce que tu fais comme tête ? Là, franchement, on ne sait pas si tu souris ou si tu pleures. Moi, j'essaye de peindre ta bouche. Je te jure, c'est pas facile. Ben, ça fait 2 heures que je suis dans la même position. Alors forcément, ça doit faire un sourire bizarre. Eh ben, souris pas. Hein ? Qui t'a demandé de sourire ? Ben, dis donc, on voit bien que c'est pas ton portrait. Je peux pas faire la gueule sur un tableau non plus. Eh ben, souris franchement, alors. Ben, je l'ai fait la première heure, tu vois, et la deuxième, ma joie s'est effritée. Et on peut savoir pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui peut sourire pendant 2 heures, à part un mort, et encore un mort qui est mort en souriant, et assis. De toute façon, je ne le sens pas, ce tableau. Voilà. Moi, je fais ça pour te faire plaisir. Hein. D'ailleurs, tu repartiras avec, après, tu l'accrocheras dans ta chambre. Moi, je ne montre pas ça aux gens. Voilà. Bon, ben, et là, ça va ? Oui, voilà. Non, mais là, on dirait que les gens vont se dire « Sur quoi elle est assise ?» Parce qu'elle a l'air d'avoir très mal. C'est toi qui as voulu me peindre, hein, alors je te signale. Parce qu'Antoinette s'est décommandée. Voilà, moi, normalement, là, je devrais être en train de peindre une jeune fille, vierge, nue, en train de manger du raisin, voilà. Et je me retrouve avec... Avec quoi ? Avec Monique qui fait la gueule. Non, d'abord, c'est Mona. Ouais, c'est ça, Mona, d'accord. Mais putain, je fais pas la gueule ! Mais t'as vu comment tu me parles ? T'arrives, toi, à sourire quand il y a quelqu'un qui t'engueule ? Moi, je suis le peintre. Je suis pas le modèle. Bah, tu veux que je me mette à poil et je mange du raisin ? Non, ça, s'il te plaît, merci. Non, continue à faire. Je sais pas ce que tu fous, d'ailleurs. Et pourquoi t'as pas commencé par la bouche ? Parce que tu parles tout le temps ! Voilà.
Hein? Alors, j'ai commencé par les yeux et par les cheveux parce que c'est les deux trucs qui bougeaient pas. Voilà. Oh, bah, je te donnais des nouvelles de la famille. Excuse-moi d'avoir un peu de conversation. Ne bouge plus. C'est parfait. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Là, t'as fait une moue, là, c'est super. Bah, j'ai fait une moue, c'est-à-dire une moue comment? Avec, là, quand t'as dit, excuse-moi d'avoir un peu de conversation, tac, moue. Je sais pas, comme ça? Non, là, on dirait que t'as avalé du vinaigre. Non, c'était une autre moue. Bon, je comprends pas, c'est plus un sourire que tu veux. C'est une moue. Non, c'est une moue sourire, un sourire mou. Allez, s'il te plaît, essaie. Allez. Ne bouge plus, c'est magnifique. Ne bouge plus. À quoi tu penses, là? La vérité? Oui. C'est que tu me fais chier. Ah, tu vois, ça, c'est mystérieux, ça. C'est beau, tu vois, parce que les gens vont se dire comment ça se fait qu'elle pose pour lui alors qu'il l'a fait chier. Oui, bah, c'est vrai qu'on se demande. Hein. Oui, et la réponse est dans ton sourire. Bon, de toute façon, tu m'as dit qu'on le verrait jamais, ce tableau. Alors. Ta gueule. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Je suis contente de te retrouver. On aurait pu me chanter ça. Hein, mais en plus, c'est ma préférée de toi. Ben, écoute, je vais te dire une chose à laquelle j'ai réfléchi depuis des années. Si j'avais vécu au Québec, je n'aurais pas pu l'écrire, cette chanson, parce qu'au Québec, vous êtes bien équipés pour la neige. Et elle serait venue au rendez-vous. Quand même. Voilà. Et nous, on a déjà chanté ensemble. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait fait un vidéoclip. Et c'était dans l'esprit de Marité Gilbert Carpentier. Oui, j'étais chauffeur de taxi. Voilà, ouais. T'étais mon chauffeur. J'ai eu ce plaisir de te faire visiter Paris la nuit, tout illuminé. Et là, je vais te la chanter juste pour toi. Merci. Par quelques mots d'amour, c'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime. Jusqu'au moindre frisson, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis, c'est ma vie.
Quel honneur, vraiment. Le frisson, merci. Merci, merci. Salvatore. Il y a des années que je me demande ce que vous voulez dire. J'ai retenu la phrase, cette thune-là, avec la blonde de mon voisin et une caisse de bière volée, je te décolle en maudit par-dessus les pâquerettes. Traduction, s'il te plaît, il est temps que je sache. Cette chanson-là, avec la femme de mon voisin et quelques bières dérobées, je te décolle en maudit au-delà des pâquerettes. Je pense que ça veut dire quelque chose de très grivois. S'envoyer en l'air. D'accord. Okay. Bon, je pense que cette traduction s'adapte à la chanson que je vais te chanter et qui est vraiment du style à provoquer ce genre de réaction. Je ne sais plus comment poursuivre cet amour qui n'en est plus. Je ne sais plus que souffrir, souffrir autant que j'y ai cru. Mais je sais qu'il me faut survivre et avancer un pas de plus pour qu'enfin cesse la dérive des moments à jamais perdus. Regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder. Oh, dis-moi, regarde-moi, il y a la vie dont on rêvait, celle qui commençait. Parle-moi. Alors, les chansons de toi, Adamo, qui jouaient dans le jukebox du restaurant de mes parents. Et j'aimerais ça l'entendre ce soir. C'est « Tes mains sur mes hanches ». C'est une invitation, ça? Ben, pourquoi pas? Allons-y. Pour une danse. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ah, ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ah, ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Ah, et c'est pourquoi les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras la revanche, tu seras ma dernière chanson. Merci. Merci. Bravo. Merci. Mais dis-moi, ma belle Chantal, ouais. C'est qui cette femme que t'as l'air d'admirer tellement? Mais c'est la grande Sylvie Joly. Ah. C'est une merveilleuse actrice. C'est la première femme en France qui a fait des sketchs seule en scène dans les années 70. Ah bon? C'était une pionnière. Beaucoup d'humoristes s'en sont inspirés. Oh, elle était merveilleuse. Elle jouait une grande bourgeoise délinquante qui faisait des sketchs. Ah oui, ça me revient. Oui. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, ce soir, Catherine Jacob va interpréter un de ses sketchs les plus connus. Ah, génial. Jean-Jacques, je crois qu'on va y aller, hein. T'as une réunion demain matin. On y va, hein. T'as les clés de la camionnette, chérie? Moi, je les ai pas. J'ai les clés de la cave. Ah, bon, alors on y va. Oh, Sophie, c'était très sympa, vraiment. On a passé une soirée mais extra.
En tout cas, bravo pour votre maison. Hein. Vous en avez tiré un parti formidable. Ça s'appelle les spots, les trucs que vous avez mis au plafond. Ah oui, c'est ça qu'on appelle des spots. La dernière fois qu'on est venu, il n'y avait qu'une ampoule. Ça change complètement l'ambiance de la... Bon, Sophie, surtout, tu penseras à me donner la recette de ta mousse au chocolat. Bon, vous embrasserez Ricardo et Claudia. Excusez-moi. Non, les dérange pas. Ils sont en pleine discussion, tous les deux. On a été enchantés de les connaître. Allez, on s'appelle. Hein. Bon, Jean-Jacques, t'as les clés de la camionnette. Tu vas pas me dire en bas que tu les as pas. Allez. Bon, comment... Oui, on s'appelle. Non, pas le mois prochain. On est pris tous les soirs. Merci. Hein. Bon, t'as les clés. Tu vas pas me dire en bas que tu les as pas. Hein. Non. Allez, ciao, Sophie. Hein. Au revoir. Oui, c'est ça. Au revoir. Oh, je suis crevée. Oh, mais la gomme, chérie, je te jure que je suis pressée d'aller me coucher. Pardon. Oh, dis donc, j'ai cru que ça finirait jamais. Oh. Sophie, elle a vieilli, hein. En plus, elle est grosse, bouffie. De là, on dirait Dizzy Gillespie, trompettiste. Oh. Oh, cette mousse au chocolat. Oh. Qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du vieux lait. Bah, vraiment, elle n'est pas fortiche. Je t'aurais présenté une mousse comme ça, moi, même en camping, tu me la foutais sur la figure et t'aurais pas eu tort. Mais oh, lui, quelle lopette. Une espèce d'asperge couvert de furoncle. À mon avis, il a une bléno, lui, Serge. Vraiment avoir le cœur bien accroché. Tu m'excuses, il était à côté de moi à table. Il pue. Insecte. Ce couple italien, franchement, quelle idée d'inviter que des comparés. Elle a le chic pour dégoûter de ces crétins, même hors de France. Oh, et quand ils ont passé... Oh, cette mousse. Non, mais ralentis un peu, Jean-Jacques, s'il te plaît. Il fait une chaleur dans cette saloperie de bagnole. Tu peux couvrir la fenêtre 2 secondes. Oh, mais pas la fenêtre en grand, mais t'es malade. Il fait -0. Oh. Ah, quand ils ont passé le film de leur gosse, alors là, je crois que ça a été le bouquet. Il est effrayant, leur fils. Hein. On dirait un cochon. Un peu de chaud. Mr. Piggy. Excuse-moi, c'est nerveux. Ah, j'ai tellement eu chaud avec cette saloperie de chauffage par le sol. J'ai les jambes gonflées. Tiens, regarde. J'arrive plus à enlever mes moon boots. Quoi? Tu trouves que mes jambes sont comme d'habitude? Oui. Non, mais tu rigoles ou quoi? Mais t'as pas vu ta tronche à toi, par hasard? Oh, mais quoi? T'es vexée parce que je te dis que Sophie est vraiment moche et que c'est ta sœur. Oh. Écoute, Jean-Jacques, je vais te dire... Quand on voit la gueule de ton père... et de ta mère... franchement, Sophie, elle s'en tire pas mal. Elle aurait dû être bien pire. Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? Rien. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du Grand Palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller tu au lycée. Michel, si près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Chocolat. Et puis t'embrasser. Bonsoir, j'ai rêvé. Ah bah oui, c'est déjà un rêve de chanter à vos côtés. Merci.
C'est un rêve pour moi aussi, parce que j'essaie d'en faire le plus possible. Pourquoi ? Parce que ça m'éloigne un petit peu de tout ce qui nous entoure, qui n'est pas toujours très sympa. Réalité. Alors je m'invente un peu une vie possible. Et alors, elle est sympa ? Ouais, vachement. Elle est cool. Ouais, je te raconterai. D'accord, vous me donnerez les clés ? Ouais, enfin, à toi seulement alors. D'accord, merci. Je veux bien. D'ailleurs, voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Ah, à ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. C'est qui Nicolas ? Nicolas, c'est... Tu raconteras. Voici les clés, ne les perds pas, sur le pont des soupirs. Ah. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Nanana, nanana. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut. On n'est jamais perdant quand on m'aime. J'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Alors moi, une de mes chansons préférées, c'est Et moi je chante. Et la première fois que je vous ai entendu... Un bon goût. La première fois que je vous ai entendu la chanter, c'était il y a 5 ans, je crois. Et j'avais halluciné parce que vous l'aviez chanté magnifiquement bien. Et je m'étais dit, oh, mince, il faut être à la hauteur après, ça va être compliqué. Je n'ai aucun doute en ce qui te concerne. Je vais essayer de vous la chanter alors. Je pense que tu vas bien essayer. Ok, alors j'essaie. Et je suis sûr que ça va me plaire. Je vois un train venir sur un nuage d'autrefois. Je vois une main tenir des fleurs, mais elle n'a pas de doigts. Je vois un chien mourir. Suivre mes pas. Je vois l'hiver sourire aux années bleues de l'au-delà. Je vois brûler des villes au milieu d'océans cachés. Je vois des yeux qui brillent au silence sur des grands rochers. Je vois un jeu de quilles que je ne peux pas faire tomber. Je vois une petite fille ensevelie au miroir des années. Et moi, je chante. Je chante. Je chante. Chanter. C'est merveilleux. Merci. Est-ce que tu sais que tu as rendu les gens heureux ? T'en es conscient ou pas ? J'ai toujours rêvé de rendre les gens heureux, oui. Si bah, je écoute, pouvais, je ferais chanter la planète entière. Aujourd'hui, tu me rends heureuse en chantant d'accord avec moi. Alors, je te rends alors, hommage. Parti. Allez. La balade, la balade.
T'as vu ça? Sacrée soirée. Sacrée soirée. C'est que ça me trouble hein, qu'on ait pu être des couples célèbres dans une autre vie. Hein. Enfin, toi, t'as été pas mal de choses dans une autre vie. Dans une autre vie. Ah, oui, non, mais Tintin et Milou, par exemple. Enfin, ils n'étaient pas en couple, Tintin et Milou. Oui, non, mais ils étaient pas en couple. Mais Astérix et Obélix. Ils étaient ensemble, Astérix et Obélix. Oui, non, enfin, je sais pas. Oui, non. Je sais. Qui? Cléopâtre et Marc-Antoine. Ah oui, à Cléopâtre. Et Marc-Antoine. Sacré caractère, hein. Edouard. Ma reine. Oui, tant qu'il arrive, 2 secondes. Cléopâtre, reine d'Égypte, Marc-Antoine te salue. Salut. Je veux dire, bonjour. Comment se porte Rome et ses fiers Romains? Comment se porte l'homme qui les tient dans ses mains? Plusieurs rébellions m'inquiètent, ô divine Cléopâtre. Nous devons nous entretenir. Je suis désolée, ça ne va pas être possible. Pardon? Ça ne va pas être possible. Avec ce trône qui branle, ce n'est pas possible. Franchement, je veux bien faire des efforts, arrêter de jeter des gens aux crocodiles toutes les 2 minutes, mais si on met des bâtons dans les roues, voilà, après, c'est comme, on dit que j'ai un mauvais caractère. Non, alors ça, c'est vrai que c'est pénible, parce que dès qu'on a un peu d'autorité, on passe tout de suite pour un tyran. Ah, vous aussi, on vous fait le coup? Récemment, là, j'ai envoyé des chrétiens au lion. Ah. Bon, ben, le lendemain, c'était « Oh là là, il est susceptible. Mmh. Oh là là, il supporte pas le dialogue. Il tue des gens. Oh. Il est dangereux. Mmh. » Hein? Bon, ben, si interdire des religions, c'est dangereux. Enfin, il faut des règles. Puis c'est tout, on est d'accord. Hein? Mais vous voulez pas me donner un petit coup d'œil à mon accoudoir? Et après, promis, on parle de la guerre. Ou de la paix. Comme vous voulez. Oui, hein? Bien sûr, oui. Voilà. Non. Si mon trône branle, mon royaume vacille. C'est joliment dit. Oui. Je fais des phrases de temps en temps. Je me dis que c'est aussi ça, le rôle d'une reine. C'était de vous, quand le Nil est en crue, la terre n'est plus cuite. Oui, il y en a plein que César m'a piqué. Allez à Jacques Taès, c'est de moi. Au début, c'était « Allez, va jeter ta veste ». Il a tout pris à son compte. Ah bon? C'est la de César. C'est moi aussi. Un jour, il était en train de dîner et je lui dis qu'est-ce que c'est que cette salade, César? Et il a appelé son plat la salade César. J'ai eu du nez. Bon, ah oui, alors cet accoudoir, il tient pas. Alors mettez-le comme ça et vous, mettez-vous de profil. Mais enfin, comment je vais parler aux gens après? Ben, de profil. Lancez une mode, lancez un style. Oh. Ce que vous n'avez pas, faites croire que vous le désirez pas. Ce que vous n'avez pas, faites croire que vous ne le désirez pas. Oui, c'est ma phrase. C'est de vous. Oui. C'est joli. Ce que vous n'avez pas, faites croire que vous ne le désirez pas. Ben, c'est ma phrase. Oui, ben, c'est la mienne maintenant. Ah oui, c'est vrai, c'est vachement bien comme ça. Oh, vous êtes rigolote. Ah, ben, dites ça à mes sujets. Personne ne parle de la fantaisie de Cléopâtre. Et moi, ça m'énerve beaucoup. Jetez aux crocodiles ceux qui disent le contraire. Mais qu'il est mignon. Moi, les crocodiles, vous, les lions, on aime bien les animaux.
Les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Ne rougis pas, ne rougis pas, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu aurais pu rendre un homme heureux. La, 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 la. Sûr que tu as pu rendre un homme. Beaucoup d'hommes heureux, beaucoup. J'aurais pu, ouais. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Contrairement à la chanson, tu as rendu beaucoup de gens heureux à part tes chansons. Tu vois. Bah, toi aussi, tu as rendu beaucoup de gens heureux avec tes chansons. Mais ce qui nous lie, c'est cette passion pour les chevaux, pour l'équitation. Ah oui, ça, c'est sûr. Et puis, c'est aussi la voile et le monde maritime. Et il y a une chanson qu'on est obligé de chanter, c'est Santiano, forcément. Incontournable. Incontournable. Alors, on va essayer. Incontournable. Attention, je me prépare. On va essayer, hein. Comme trois-mâts, fin comme un oiseau, Icéro, Santillano, 18, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Icéro, Santillano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de bon mois en laissant Margot. Icéro, Santillano, d'y penser, j'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague, tiens bon le vent. Icéro, Santillano, si Dieu veut jusqu'à San Francisco. On y arrivera. Yeah. Énorme. Ouais. Oh là 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 là. Bon, ça, ça va. Des émotions tout ça. Alors je parlais des chevaux et puis il y a cette chanson effectivement qui est très importante dans la vie de tous les Français parce que c'est ce qui caractérise aussi ton. Sais. Ton parcours et ton répertoire, c'est que ouais. Les chansons que tu as écrites font partie du patrimoine de la chanson française d'aujourd'hui. On les apprend à l'école et ce n'est pas tous les artistes qui ont réussi à accomplir ce que tu as accompli. Et cette chanson-là, ça nous ramène à des émotions très fortes. C'est des chansons qui nous touchent au cœur et c'est la bande originale de nos vies. C'est ce qu'on dit en anglais, c'est un storyteller, un conteur d'histoire. Oui, ouais. On y va, on la raconte ouais. Il s'appelait Stewart, c'était un cheval blanc. Il était mon idole, et moi j'avais 10 ans. Notre pauvre père acheter ce pur sang avait mis dans l'affaire jusqu'à son dernier franc. Il s'appelait Stewart, c'était un cheval blanc. Il était mon idole, et moi j'avais 10 ans. Et quand je chante ça, j'ai toujours 10 ans. J'ai toujours 10 ans, et ceux qui l'écoutent ont tous 10 ans. Voilà. Magnifique. Merci, merci beaucoup Hugues. C'est moi qui te remercie. Ouh. Qu'est-ce qu'on dit quand un marin part en mer? Bon vent.
Bon vent. Et puis, bon. Et puis on dit. Alors moi, je te dis, il y a un curé que j'ai rencontré dans ma vie, un curé breton, c'est pas rien dire. Ah non, non. Têtu. Il a été pendant 30 ans aumônier dans les prisons. Mm-hmm. Et il essayait de donner de l'espoir à ceux qu'il avait perdu. Quand il a pris sa retraite, il a armé un bateau, trois mâts, qu'il a appelé le Bel Espoir. Et il a décidé d'emmener les enfants qui, eux, avaient perdu l'espoir dans la nuit de la drogue. Et il s'appelle le Père Jaouen. Voici la chanson que j'ai composée pour le Père Jaouen. On la chante, si tu veux, ensemble. Bien sûr, avec plaisir. Et en espagnol, quand on s'en va, on dit... Hasta luego. Hasta luego. A bientôt si tu le veux. Eh oui. Hasta luego. On se reverra sous peu. On a trois mois de réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grand voile. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent et l'oubli. Toi qui n'as rien, embarque-toi avec nous. Donne-moi la main, car ta place est parmi nous. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Eh ben voilà, hasta luego, on va se revoir, ça, merci c'était beaucoup. Un merci. Plaisir, un grand mais bonheur. Mais oui, mais bien sûr qu'on va se revoir, merci, on se revoit toujours. Merci. Merci à tous. Merci à tous et puis à bientôt et hasta luego. Alors, Muriel Robin, vous le savez, elle fait rire, elle chante, elle danse, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle consulte aussi. Oui, c'est moi. J'ai essayé de te joindre ce matin déjà. C'est pour papa que je t'appelle. Voilà, c'est fini. Oui, ce soir. Voilà, je voulais te prévenir. Oui, oui, ben oui, on savait qu'avec avec l'opération, son cœur pouvait lâcher. Et... De l'autre côté. Ah oui, bien sûr. Maintenant, il est passé de l'autre côté, oui, comme tu dis. Bon, enfin, de toute façon, je te tiendrai au courant, hein. Non, ça va aller, je suis solide. Non, là, je suis au cabinet, je préfère travailler. Oui, moi aussi. Mais je t'embrasse. Au revoir. Mademoiselle Mich? Bonjour, docteur. Bonjour, mademoiselle Mich. Asseyez-vous. Bien. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, nous sommes vus donc lundi dernier. Au niveau du traitement, donc on est toujours à deux Prozac le matin et trois Effexor le soir. Hein. On avait un petit peu augmenté d'ailleurs. Hein. Alors, comment vous vous sentez? Ça va mieux. J'ai senti un vrai coup de fouet. Je suis plus... Enfin, je me sens moins... Non, c'est bien. Et vous sortez un petit peu. On avait évoqué la dernière fois vos difficultés, hein, les difficultés que vous rencontriez socialement. Hein, vous avez revu des gens, des amis. Non. Non. Ça me... Et vous avez repris le sport, comme on avait dit, dans votre club med gym. Alors, oui. J'ai fait un petit peu de tapis. Et puis, j'ai arrêté au bout de 15 minutes parce que je trouvais que ça ne servait à rien. Et ça m'a... Ça va pas mieux, hein, mademoiselle Mich. Ça va pas mieux du tout. Hein. Ouais. Bah, ça fait combien de mois qu'on se voit maintenant? 3 ans. C'est ça. 3 ans. En 3 ans, on a fait le tour des relations avec votre mère, avec votre père, qui ont leurs défauts, mais enfin, c'est pas non plus
les Borgia. Hein. On a fait le tour de votre enfance, on a fait le tour de ma copine de maternelle, avec la fameuse Élodie, hein, qui portait des jolies jupes à volant pendant que vous, vous portiez des grosses jupes culottes, moches. On a fait le tour de vos collègues de bureau avec Félix. Oui, je sais, Félix qui raconte des bagues obscènes sur votre célibat au bureau. Oui, hein? Non, mais c'est, je vous l'ai, je vous ai dit, la dernière qui m'a sortie au self, c'était, ça m'a... Ouais. Ça, vous ça m'a complètement... Oui, ça vous a, bien sûr. Ouais, ouais. Mais on ne peut pas changer Félix, hein, mademoiselle Mich, d'accord? Et puis, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter d'aller voir ce marabout africain avec ses poupées vaudou, hein, ce serait bien ça. Hein? D'accord? On a fait le tour aussi de complexes, vos complexes d'infériorité, hein, par rapport à votre corps, à la piscine. On a fait le tour de tout ça. Hein? Alors, on peut refaire un tour complet, si vous voulez. Mais là, si on augmente les médicaments, moi, je pense que c'est votre cœur qui va lâcher, mademoiselle Mich. Eh bien, tant mieux! Vous regardez parfois les infos à la télé? Oh, non? Non, ouais. Non, parce qu'il y a un petit gars, un petit bonhomme de Châtellerault, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, qui a traversé la Manche. Ouais. Il s'est entraîné pendant 3 ans dans une piscine municipale. Il a nagé pendant 13 heures. Il a bravé la douleur. La fatigue, la fureur des courants. Mais il est arrivé. Il est arrivé en Angleterre, de l'autre côté. Hein, de l'autre côté. D'accord? Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert? Hein, c'est vrai, à quoi ça sert? Dans la Manche, un gars qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes. Dans la Manche, mais à quoi ça sert? Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que rien ne sert à rien, mademoiselle Mich. Hein, ça, la vie, la mort, ça ne sert à rien, d'accord? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne sais pas, voilà. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis médecin et je ne sais pas quoi faire, voilà. Et vous, hein, vous allez arrêter de me faire chier avec vos romans dentelles que vous n'aviez pas à la récré. Excusez-moi, mais moi, j'ai perdu mon père ce matin. Oh non! Oh non! Je crois pas que vous soyez en état de travailler aujourd'hui. Oh, non. Alors, ce que vous allez faire... Oui. Oui. Vous allez rentrer chez vous. Oui, oui, mais bien sûr, vous avez raison. Je vais rentrer chez moi. Et vous, mademoiselle Mich, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Allez à la piscine. Enfilez un petit bikini. Et nagez. Nagez avec fierté. Vous avez raison. Ça va, maman. Au revoir, docteur. Et on se revoit lundi. Bon, il y a un truc qu'il faut que tu m'expliques pour que je comprenne définitivement. Palmade, avec la Roque, c'est un vrai couple ou un faux couple? Ben, c'est un faux couple. Ils étaient mari et femme, mais à la scène. Ah! Ah bon, non, parce qu'on aurait dit que... C'était vrai. Hein. Ben oui. C'est un peu le principe du théâtre. Ouais. Mais Palmade, avec Sanson, c'est un vrai couple ou... Bah, c'était un vrai couple. Moi, j'étais à leur mariage. Ah bon? Ouais. Ah, parce qu'on m'avait dit que... Que c'était faux. Ouais. Ça, c'est le principe de la médisance. Ah ouais. Donc, la Roque vraie... Sanson faux. Non, c'est l'inverse.
La Roquefort sans son vrai. Voilà. Pardon. Allez, la Roquefort sans son vrai. La Roquefort sans son vrai. La Roquefort sans son vrai. Arrêtez le massacre. Pierre. Enfin. Ouais. T'es encore accro à Véro ? Je croyais que c'était réglé, cette histoire, moi. Mais non, mais elle m'apprenait... Je montrais les notes qu'il fallait faire, en fait. C'est... Il le faisait bien, hein, avant. Il faisait super de progrès. Bah, hein. Parce qu'il veut chanter. C'est peut-être un peu tard, non ? Parce que c'est comme si moi, j'apprenais à faire du patin à glace. Hein, et puis elle te le dit dans la chanson, elle a besoin de personne. Alors qu'est-ce que tu comprends à ça, toi ? Bah, qu'il faut que je dégage. Bah, je crois que ce serait bien, hein, et que tu nous laisses entre chanteurs. Ce serait préférable pour tout le monde. Mais la prochaine fois. Hein. D'accord. La prochaine fois. De toute façon, j'ai ton numéro, je t'appelle. Oui, c'est ça, tu l'appelles. Adieu. Au revoir, au revoir. Adieu. Allez. Ah. Non, on l'aime beaucoup, ton Pierre, mais. On le préfère quand même quand il fait ses sketchs, parce que... Bah, il est plus à l'aise. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, dis donc, maintenant qu'on est ensemble, là, tous les deux, est-ce que tu me ferais le plaisir de m'interpréter un tout petit bout de Amoureuse, rien que pour moi ? Bah, vraiment, rien que pour toi. C'est gentil. Rien que pour toi. Mm-hmm. Sûr. Et toi, dis donc, alors, oui. Moi, je t'ai chanté un truc, là. Ouais. Et toi, tu peux pas me chanter un truc ? Oui, je suis par... ton... Je peux choisir ? Je suis ton jukebox personnel, d'accord. Voyons. Alors. Oui. Le cimetière des éléphants. Volontiers. Tu la connais ? Pas perdu, puisque tu m'aimes. Un peu moins fort, un peu quand même. Je suis ta solution sans problème. Gadget évident. Mais toi, maintenant, tu veux plus en jouer. Faut me garder et m'emporter. J'suis pas périssable, j'suis bon à consommer. Te presse pas, tu as tout le temps. M'emmener au cimetière des airs.
Bravo. Moi, je l'ai chanté avec toi, ça. Oui, oui, oui. Tu te rappelles au Resto du Cœur? Au Resto du Cœur. Et il y avait eu un truc extraordinaire, je ne sais pas si tu te souviens. C'est quand on a fait le mixage pour le disque et qu'on chantait tous la chanson de Jean-Jacques Goldman. Oui, la fin. La fin, aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Bon. Il y avait un truc qui clochait dans le son des voix. Et c'était Johnny qui chantait « On n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir soif ». Enfin bon, mais on rigolait. Oui, nous, on était fiers, nous. Dis-moi, Baïa, tu connais, hein ? T'en veux un petit bout ? Oh oui. D'accord. Alors... S'il te plaît, je voudrais aller à Baïa. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion, très loin du son des accordéons. Oui, je t'aime. N'existe pas, les jours de pluie ne reviendront pas, et je t'aime, en casse-moi. Elle est belle, hein, bon. Jolie. Ben merci. Oh ben si, 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 c'est gentil, si. Moi je trouve ça un peu aussi. Ouais. Et dis-moi, pour finir, tu faudrait faire quoi comme chanson? Je sais pas. La dernière séance. Ouais, ça, tu veux, ouais. C'est approprié. Ben, y a Basile qui est là, tu vois. Basile, oui. Basile. Ouais. C'est le rideau qui tombe. Moi, je trouve que ça continue pas. Ma toute belle Véro, il me reste à te dire merci, à bientôt, et je t'embrasse très fort. Oui. Moi, je vais le faire de rechef. Merci. Qu'est-ce que j'adore t'écouter. J'ai un truc qui me vient. Je t'écoute jouer là comme ça du piano et je me dis, en parlant de jouer, quand t'étais avec Pierre, est-ce que vous jouiez souvent au Scrabble, tous les deux? Ah là, ouais, c'était plutôt l'enfer, hein, franchement. J'étais mauvais perdant. En plus, je perdais tout le temps, hein, c'était très simple. Donc, voilà. Il sait pas jouer du tout, il est nul, quoi, en fait, c'est ça l'idée. Il est complètement nul, hein. Nul, nul. Sauf quand il en fait un super sketch, franchement. Alors là, chapeau. Non, Liliane. Ox, ça n'existe pas. 31 points. Mais non, d'accord. Ça t'aurait fait 31 points avec le mot compte triple, mais ça n'existe pas. Hein? Et puis Xo non plus, d'ailleurs. De toute façon, c'est sûr qu'avec ta gueule, on peut pas aller bien loin. Pardon? Mais non! Je dis juste que t'as mis gueule en travers du jeu, ça bloque tout le monde. Tu fais de l'anti-jeu, Liliane. Chaque fois, c'est la même chose. Bon, ben joue, Alexandre, qu'est-ce que tu t'attends? Il est comme ça, il est comme ça. Érection? Non, insolaire. Hein? Bah, t'en enlèves, hein. Comment tu connais ce mot, tout d'abord? Comment il connaît ce mot, lui, d'abord? Ah, ben, dis donc. À 11 ans, ça promet. Bon, allez, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 pour Alexandre. Mon compte double.
Ah oui, non. Bon, bah 22 pour Alexandre. Bon, bah ça va, ça va. On va pas vouloir une bouteille de champagne. Bon, allez, à moi. Bon, alors déjà, j'ai que 6 lettres. C'est pas normal. Véro, passe-moi une lettre. D'accord. La prochaine fois, je la choisirai moi-même. Bon sang. Il me manque un M et un T. Je faisais un super mot. Ah, c'est chiant. J'avais le M et le T. Je faisais mijoter avec l'érection d'Alexandre. Pourquoi tu ris, toi? Ah oui, c'est vrai, il y a un panache bête. Il y a une drôle d'odeur ici, vous trouvez pas? Hein? Je sais pas, ça fait un petit moment que... Ah bon, c'est pas grave. Bon, papa, c'est à toi. Oui, ça arrive, 2 secondes. Dis-donc, t'as un train à prendre. C'est un jeu de réflexion. Bon, alors moi, je réfléchis. Bon, ben, puisqu'on me presse, je fais le LE. Voilà, ça me fait 2 points. Ça va, ça va, ça va. Hein, la partie n'est pas terminée. Hein. À toi, Véro. Égérie. Algérie. Ben non. Non, Égérie. Quoi, tu sais pas ce que ça veut dire, hein? Si, si, je sais ce que ça veut dire, si, si. Je l'emploie pas tous les jours. Bon, mais ça va, t'as pas nous fait un cours de français non plus, non? Tu ferais mieux d'essayer d'épater tes profs que tes parents. Ça veut dire quoi, ça? Rien, je veux rien dire. Compte tes points. À toi, Liliane. Liliane, on est là. Kawax. Ben, c'est un joli mot. Tu peux nous rappeler la définition de kawax, Liliane? Oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot. Mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est chiant comme tout, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Kawax, ça n'existe pas, Liliane. Je suis sûre que je l'ai déjà. Oui, ah, bah, tu l'as entendu, elle l'a entendu. Peut-être pendant nos vacances à Dakar. Ça veut peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais. En tout cas, en français, ça veut rien dire du tout. Bon, allez, fais voir tes lettres. Oh! Et papa! Je triche pas, je l'aide. Votre pauvre mère, vous croyez que c'est drôle pour elle? Elle joue au Scrabble et finalement, elle se rend compte qu'elle parle beaucoup mieux sénégalais que français. Oh, bon, pour rire un peu, non? Hein? Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Mais le prends pas comme ça! Je suis pas nulle! Mais on n'a pas dit que t'étais nulle! Oh, les enfants, dites à votre mère qu'elle est pas nulle. Eh ben, dites-le. T'es pas nulle, maman. Bon, bah, tu vois, même les enfants le disent. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver avec ces lettres? Eh ben, t'as. T'as Vaker, W-A-K-E-R. Ça n'existe pas? Bien sûr que ça existe. Pas du tout. Pas Véronique, pas. Ta gueule. Vaker. Vaker, c'est du vieux français déjà. Et ça veut dire, ça désigne un objet qui n'existe plus d'ailleurs. Mais le mot existe toujours. Voilà, t'as jamais entendu l'expression fier comme un Vaker? Non? Bon, ben écoute, ça fait rien. Mets ton mot. Compte tes points et Alexandre joue. Véro, on en est à combien? Alors, moi, 180. Mmh. Alexandre, 80 et toi, 70. Ta mère? 50. Ben, tu vois, c'est génial, tu rattrapes tout le monde. Moi, par contre, j'ai moins qu'Alexandre. Mmh. Ouais, géant. Bon, alors, Alexandre, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Non, fellation, ça s'écrit pas comme... Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, toi? Bah, c'est français. Oui, mais c'est pas ici que t'apprends des mots comme ça, hein? Oui, c'est français. Joue pas au con avec moi, s'il te plaît, hein? Bon, puis alors, cette odeur m'insupporte. Il y a un animal qui a dû crever sous un meuble, c'est pas possible. Toi, tu nous trouves un autre mot, s'il te plaît. Ça vous gêne pas, vous, cette odeur? Moi, carrément, ça m'agresse. Après, je fais des petits mots. Bon, alors... Sucre. Oui, t'as oublié le R.
Tu le rajoutes. Oui, oui, on a vu. Mot compte double, d'accord. On va pas le prendre en photo non plus. Bon, allez, à moi. Bon, alors, j'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Bon, allez, je change toutes mes lettres. Quoi? Mais non Si, j'ai le droit. Bah, non. Vous n'allez pas m'apprendre les règles du Scrabble, vous. Mais alors, tu sautes ton tour. Non, je passe pas mon tour. Non, je suis pas obligé de passer mon tour. Bah, si t'es obligé. Non, je vois. On n'est pas obligé de passer son tour quand on change ses lettres. Ça fait 30 ans que je joue au Scrabble, j'ai jamais passé mon tour quand je changeais mes lettres. Ah ouais, parce que tu triches. Parce que... Je... Triche. Ça me fait beaucoup de peine, ce que tu me dis là, Véro. Liliane, avec ton vaquer, tu la mets en veilleuse. D'accord, je passe mon tour. À toi, ma fille. À toi. Peut-être que je triche, mais en tout cas, moi, mon bac, je l'ai eu du premier coup. C'est quoi le rapport? Ça n'a aucun rapport, c'est pour parler. Vas-y. Vas-y, mets-nous un de tes mots barbares. Trinôme. Ok, je t'ai averti tout de suite. On se fout complètement de savoir ce que ça veut dire. Alors, Liliane, dans la série J'invente des mots, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Typhon. Mais tu sais que ça existe, ça, Liliane? Mais c'est super, ça, Liliane. En plus, avec des lettres comme ça, tu vas avoir plus de points que ton mari. Et je vais être le dernier. Mais je m'en fous, parce que comme je triche, je vais vite rattraper tout le monde, comprenez? Ça, c'est l'avantage du tricheur sur les jeux honnêtes. Alors, Alexandre, ton nouveau mot, c'est quoi? Bite, nichon, couille. Oui, je suis de mauvaise humeur, oui. Parfaitement, je suis de mauvaise humeur. D'ailleurs, si vous continuez à m'emmerder, je vais tout envoyer balader. Hein? Ma tête, d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Allez, hop, voilà. Oh, il est joli, le Scrabble. Voilà, bonne fin de dimanche à tous. Papa va à la pêche. Pierre et Chanchan. Est-ce que vous vous souvenez de ce duo, Pierre et Chanchan? Non? Eh bien, c'est normal, personne ne s'en souvient. C'est un duo qu'on a formé il y a maintenant 20 ans et qui n'a jamais marché. C'est-à-dire qu'on a enchaîné bide sur bide pendant au moins 10 ans avant de finalement s'arrêter. On a reformé notre duo pour notre plaisir puisque personne ne nous le demandait. Chanchan, je suis tellement contente de te retrouver. Moi aussi, quel bonheur. Tu te souviens? Oui, je me souviens de tous ces bides. Qu'est-ce que c'était bien. On les a enchaînés, ça marchait jamais. On n'a jamais fait un succès. Non, mais on était heureux. Oui, et personne ne nous a demandé de nous retrouver. Ben oui. Et c'est ça qui m'a donné l'idée. Voilà, c'est ça qui est bien, puisque personne ne veut de nous. Je me suis dit, personne ne nous attend si on y allait. Et ben voilà, il n'y a pas de pression. Bide sur... Bide. Est-ce que tu te souviens, par exemple, Chantal, de notre premier bide? Ah oui, je me souviens très bien. On se souvient toujours de son premier bide. Rappelle-moi le titre. Ça s'appelait « La vie, c'est mieux que la mort ». Oui, c'était top. Tu m'avais dit, ça remonte les souvenirs, je me souviens, tu m'avais dit, celle-là, elle ne marchera jamais. Ouais, et je te l'avais dit.
t'étais pas trompée. Voilà, j'avais souvent raison. Elles n'ont jamais marché, j'avais toujours senti. D'ailleurs, tu chantais un peu faux, ça va continuer d'ailleurs. Hein. Oui, parce qu'on parle des gens victimes de leur succès. On n'a jamais été victime. Non, pas du tout. Tout s'est bien passé pour nous. Elle a dit, on continue les bides. Elle avait ça dans le sang. Elle avait, ce qu'on peut dire, le bide dans le ventre. Vous voyez ? Le bide dans le ventre, c'est bien ça. On en fait une autre ? Allez, vas-y, laquelle ? Oh bah, si tu n'en fais qu'à ta tête. Oui. Chantons celle-là ? Oui. Cache, 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 pour être heureux, vivant caché. Lâche, 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 quand ça va pas, faut se lâcher. Mâche, 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 c'est ta salade préférée. Tâche, 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 t'aurais dû mettre un tablier. Tu n'en fais qu'à ta tête. 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 Crash, 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 le venin que tu distillais. Marche, 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 sur mon petit cœur. Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu te souviens, je finissais comme ça. Je finissais comme ça. T'avais le rythme dans la peau. J'avais ça, ça j'avais ça. T'avais ça, t'avais des figures énormes, c'était génial. Tu te souviens qu'il y avait même des manifestations pour qu'on arrête de chanter. C'est vrai, c'est vrai. Ils criaient, hein. Les gens criaient. Te menacer, je pense qu'il y en avait qui étaient violents même. Ah oui, mais avait tiré les cheveux, dis donc. Une fois, on avait tiré les cheveux. Eh ben, on n'a pas arrêté, on a continué à faire des bides. Ouais, c'est fou. Alors, on n'a jamais fait de tournée parce qu'on n'a jamais de public. Bah, on n'avait pas le temps. Ben non. Parce qu'on enregistrait tout le temps. Parce que dès qu'on avait fini un bide... On en recommençait un. Et oui, parce que les ventes duraient très peu de temps. Ouais. Oh, c'était la belle époque. Hein. Mon Dieu, si on nous dit quel bide vous préférez, je serais bien incapable de choisir. Eh oui, alors, lequel ? Tu es plus bête, bête, non tu... C'est pas ça. Ah, tu es bête. Ah, ouais. C'est toi qui l'avais écrite. Oui, c'est ça, oui. Elle était bien, celle-là. Hein. Elle était con. Bah... Je savais pas que c'était toi. Je savais pas que c'était moi. Je savais pas que c'était nous. Je savais rien du tout. Moi, je savais que c'était toi. Je me doutais que c'était moi. J'avais compris que c'était nous. Je savais tout. Tu es bête, plus que moi. Ça n'a pas d'importance. Je suis bête, plus que toi. M'en veux pas. Ça n'a pas C'est vrai, ça n'a pas d'importance, mais c'était du vécu. Je pensais, je trouvais vraiment que tu étais bête. Je me demandais qui était le plus bête de l'un de l'autre, je ne sais pas. On n'a jamais su. On n'a jamais su, c'est ça, on a vécu dans une inconscience incroyable. C'est peut-être qu'on a été cons tous les deux, mais c'est pour ça que ça n'a pas marché du tout, con, du tout, con, du tout. Oui, heureux, oui. Oui. Tiens, mille chansons qu'on avait écrites, on était pas à jeun, celle-là. Tu te souviens de... Ciao Bello. Ciao Bello. C'était beau. Ciao Bella, ça fera des souvenirs, on en rigolera. Ciao Bello, ciao Bella, c'était un délire, c'était pire que ça. J'avais un peu bu, j'étais très bourré, je ne me souviens plus, j'ai tout oublié, j'avais bien trop bu, j'ai vomi après, c'était un plan cul qui a mal tourné. Ciao Bello. Ah. La dernière. C'était la dernière. Ouais. Là, on nous a sommé d'arrêter. Oui, on nous a presque menacé. Tellement content de te retrouver. Pourvu qu'on arrête vraiment. Vraiment, oui. Bonsoir.
qu'il est collant, ce type. J'ai accepté de faire cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie, devant les copines. Mais alors, j'en vois plus le bout. Mine de rien, on pourrait vous jouer en entier ce sketch de Bedos et Daumier. Hein? Tellement on l'aime. Mais je préfère vous présenter un sketch de Bedos Daumier moins connu, toujours écrit par Jean-Loup Dabadie, qui s'appelle L'élève Chapon Gilbert. Joué par Marianne Chazelle et André Dussolier. Madame, en réponse à votre lettre du 12 au sujet de votre fils, l'élève de 6e Chapon Gilbert, je vous signale que ce dernier étant un cancre et un voyou, nous le tenons à votre disposition pour que vous le retiriez sitôt qu'il vous plaira de l'école dont j'ai l'honneur d'être le directeur. Avec mes salutations, signé Adrien Colbach, directeur du collège privé de Forigny-sur-Seine. Monsieur le directeur du collège, je vous remercie d'avoir si aimablement répondu à ma première lettre au sujet de mon fils Chapon Gilbert. J'ajoute à mes précédentes prestations qu'il est classé régulièrement dernier, ce qui est une injustice scandaleuse. J'estime que c'est chacun son tour. Par ailleurs, Gilbert ayant donné l'autre jour une baffe à son professeur d'histoire, celui-ci lui a rendu sa gifle et j'estime que ce n'est pas très beau de se battre coup pour coup avec un enfant quand on est un professeur d'histoire adulte. Je vous prie de croire, monsieur le directeur, à mes sentiments les meilleurs. Signé Chapon Marie-Thérèse, mère du petit Gilbert. Post-scriptum, 6 juin, un chèque de 15 000 euros. À votre ordre, monsieur le directeur, pour vos bonnes œuvres. Chère madame Chapon, dès réception de votre dernière lettre, la conduite et les résultats de votre fils se sont considérablement améliorés. J'ai plaisir à vous faire part de ces progrès. Certes, c'est un enfant très éveillé, dont la personnalité et la formidable santé ne sont pas toujours compatibles avec la discipline généralement comprise dans une classe de sixième, mais on aime mieux les voir turbulents que malades. Mais dans tous les cas, je vous remercie, madame, pour votre petit envoi joint à votre lettre, en vous priant d'agréer... Monsieur le directeur du collège, je vous remercie de m'avoir envoyé le dernier bulletin de l'élève Chapon Gilbert. Je constate en effet avec orgueil qu'il a fait des progrès sensibles, notamment au calcul, et je vois qu'il est classé 2e en composition, avec 17,5, alors qu'il était malade le jour de la composition. Qu'il n'est pas allé à l'école ce jour-là, c'est un exploit important. En espérant qu'il sera premier la prochaine fois, pour donner toute satisfaction à notre famille, à nos amis, à nos relations. Je vous prie par ailleurs d'accepter, cher monsieur le directeur, ce chèque de 30 000 euros à votre ordre pour vos bonnes œuvres. Veuillez agréer, monsieur le directeur. Chère madame Chapon, en vous remerciant pour votre dernière lettre, si chaleureuse, je me permets de vous féliciter pour les derniers résultats réalisés par votre fils, l'excellent Chapon Gilbert, élève de 6e. Sa dernière composition de géographie, où il a découpé directement la page de son manuel pour la coller soigneusement sur sa copie, prouve que nous avons affaire à un enfant astucieux et plein de ressources, car aucun de ses camarades n'avait eu une idée d'une habileté équivalente. Par ailleurs, puis-je vous demander un petit service, chère madame Chapon ? Ça serait de prier votre fils, l'excellent petit Gilbert, si vous avez l'occasion de le rencontrer, d'attendre que nous soyons seuls dans la cour pour me botter le derrière. Car devant tous les élèves, cela peut porter à réflexion, chacun ne sachant pas forcément que c'est pour plaisanter. Votre fils a pris cette habitude quotidienne, et quoique je trouve cela très drôle chez un enfant si jeune, je n'aimerais pas que les autres se croient tous obligés d'en faire autant, certains ne le méritant pas. Une petite chose que j'ai oubliée. Pourriez-vous garder Gilbert à la maison demain matin ? Il n'y aura pas classe, car nous devons aller aux obsèques de M. Marturo.
professeur de langue, qui s'est lamentablement suicidé en se jetant tête la première sur une flèche empoisonnée que votre fils était amusé à lancer à la cantonade par le truchement d'une sarbacane. La flèche étant plantée dans son œil gauche, le malheureux ne s'est pas raté. En vous remerciant encore, je vous prie de croire, chère madame, André, j'ai besoin de présenter un monstre sacré et il me faut un autre monstre sacré. Est-ce que vous êtes d'accord pour lancer Eddie Mitchell ? Eddie, un sacré monstre. Voici Eddie Mitchell. Voilà, j'ai mes deux monstres. Dave, est-ce que tu aimes François Berléand ? Ouais. Est-ce que tu aimes Max Boublil ? Ouais. Et est-ce que tu aimes Isabelle Nanty ? Ouais. Bon, eh ben tu vas te régaler.
Ça va, ma chérie? Oui, oui. Oh oui. Ah, pardon. C'est l'autre genou? Oui. Tu te sens comment, toi? Ben, je sens comme une grosse chaleur. Après, je sais pas si ça compte, mais comme il touche une zone érogène... Super. Tu devrais lui dire pour ta cheville. Non. Ah, vous avez mal à la cheville? Oui, mais non. Bah si, pourquoi tu mens? Tu veux pas qu'il te guérisse? Bah, ça dépend. Il touche où pour soigner la cheville? Bah ça dépend. C'est un peu au feeling. Ah, au feeling. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je te sens pas... Attends, c'est moi que tu sens pas? Quand je vais chez le médecin, il me note pas des médicaments au feeling? Écoutez, si vous avez pas confiance en moi, ça peut pas marcher. Hein. Ou alors je vais devoir vous demander de sortir de la pièce. Non, mais je vais rester, je vous remercie. Pierre, tu mets mal à l'aise tout le monde, là. Vous savez, c'est médical. Hein. Et je peux vous le prouver, si vous avez mal à la cheville, vous allez être bluffé du résultat. Allez, mon chéri, ça coûte rien d'essayer, vas-y. Alors, c'est quelle cheville? La droite. Il faudrait que vous mettiez votre main sur son épaule, si ça vous dérange pas. Ah non, ça me dérange pas, c'est ma femme, donc je... Moi, ça me dérange pas, quoi. Calme-toi, s'il te plaît. J'ai des codes. Vous sentez le bien-être qui circule, là? Non, pas encore, non. En fait, si vous voulez, mon énergie et moi, on part du principe qu'il faut toucher ailleurs pour libérer la vôtre. Ouais. Moi, j'ai compris. Voilà. Et si vous touchez votre femme, ça me rend la mienne? Non, par contre, je suis désolé, mais là, je sens un vrai problème de confiance entre vous et ces ondes toxiques, ça m'empêche. Voilà. Oui, bah c'est vrai, vous foutez un peu le bordel. Mais tu vois, tu ne me fais pas confiance que je lui fasse confiance. Oui, ça c'est vrai, ça, oui. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants tous les deux. Ah ouais? C'est inconsciemment, hein. Ça fait compte pas. Ça veut pas. Vous n'arrivez pas à avoir d'enfants? Ça rajoute plus encore un problème, comme ça il va toucher encore plus bas. Vous pouvez faire quelque chose contre l'infertilité? Bien sûr. Je vais vous demander de m'indiquer où est la chambre, s'il vous plaît. Alors la chambre est par là. Très bien. Pourquoi faire? Vous allez voir, vous allez être bluffé du résultat. Allez. Marie. Bah, c'est médical, il l'a dit. C'est scientifique. Vous l'avez entendu en duo avec Chantal Goya, mais de temps en temps, il chante tout seul. C'est Christophe Willem, PS, je t'aime.
Muriel, Muriel, devine quel duo célèbre on va pouvoir faire avec ça. Dupont et Dupont. Non. Oh, chapeau melon et bottes de cuir. Non. Laurel et Hardy. Non. Tu fais la gueule ? Je fais pas la gueule. Mais je vois pas pourquoi c'est toujours moi qui fais le gros. Mais arrête avec ça. Tu fais pas le gros, tu fais Hardy. Bah oui, bah Hardy. Je fais Hardy, je fais Hardy. Hardy, il est gros. Il est gros. Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Il est peut-être un petit peu plus lourd que Laurel. Mais c'est tout. Plus lourd ? Non. Il est gros. Bon, écoute, ça va aller. Faisons le sketch, c'est bon. Enfin, t'aurais pu les mettre aussi, les prothèses, non ? Bah, sur toi, ça fonctionne mieux. On peut savoir pourquoi ? Eh bah, ben, parce que t'es plus... Plus quoi ? Attends deux secondes, je cherche le... Bon, t'es plus massive. Plus massive ? Ouais. Non, mais je veux dire que c'est vrai que tu es charpentée, quand même. Charpentée ? T'es chiante, hein, Muriel. C'est facile, ça. Tu vas pas t'en tirer comme ça, toi, je te le dis. Écoute, tu la veux la vérité ? Ben, je vais te la dire. Tu étais grosse, et c'est vrai que du coup, sur toi, Hardy, eh ben, c'est plus réaliste. J'étais grosse. Oui, c'est vrai, j'ai été grosse, mais c'était au XXe siècle. Voilà. Toi, je sais pas ce que t'as été avant, mais je peux te dire que là, aujourd'hui, hein, t'es un vrai goujat. Mais non, mais c'est toi qui me forces à dire n'importe quoi. Mais d'accord, alors donc, si on devait jouer dans Astérix, par exemple, toi et moi, c'est moi qui ferais Obélix. Bah, oui. Tu sais quoi ? Tu me fais de la peine. Non, mais, non, excuse-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. D'abord, les personnages, c'est pas du tout une question de poids sur la balance. Bah oui, quand même. Non, ouais. C'est une question de personnalité. Voilà. Et ? Et ? Et ? Du coup, tu fais Hardy parce que tu es autoritaire. Je suis autoritaire. Non, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Ben, c'est vrai que bon, quand t'es là, t'es là. Oui, oui, oui. Alors toi, quand t'es là, t'es pas là ? On peut... Je sais plus quoi dire. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Je suis une ancienne grosse autoritaire, c'est ça ? Mais non, c'est pas ça. Enfin, si. Mais non. Bon, tu veux que je fasse Hardy ? Franchement, non. Françoise, peut-être, hein, et encore. Mais l'autre, je suis pas sûr. Tu sais pourquoi ? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'Hardy, il est gentil. Il a de l'humanité. Alors que toi, tu n'as ni l'un ni l'autre. On reste comme ça, alors ? On reste comme ça. Bon, top. Allez, on commence par quelle scène ? Ben moi, je commencerai bien par la grosse baffe. Et je me demande si tu existes encore. Et je me demande si ton cœur est ton homme. Si tu fais l'amour le soir quand tu t'endors. Et toutes ces choses. Mais disons, mais qu'est-ce que tu le fais bien ? Ah oui ? Ah oui. Bah merci. Bah tu sais, moi aussi je t'adore. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai demandé de venir. Ouais, mais tu sais que là, c'est une chanson de Claude François qui s'appelle Le chanteur malheureux. Ah oui ? Oui. C'est pas la chanteuse malheureuse, donc c'est pas une chanson de moi. Ah oui ? Ouais. Ah. Et il était sympa, Claude François ? Ah mais Claude, c'était mon ami, donc moi j'ai que des jolies choses à dire sur lui. Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Bon alors celle-là, c'est aussi Claude qui la chantait. Moi par exemple, je chantais... Ah ouais, je chantais une chanson qui s'appelait Bang Bang. Bang Bang, tu me tuais, Bang Bang, et je tombais, Bang Bang. Et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. Et bang bang, tu sais pourquoi il lui tire dessus ? Ben non.
parce qu'il est mal aimé, je suis le mal aimé. Tous les gens me connaissent, tant que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir? Oui, alors, ont-ils cherché à savoir ce que je chante? Parce que là, c'est encore une chanson de Claude François. Et j'ai l'impression que tu l'aimes beaucoup, non? Ah bah, Claude François, c'est mes premiers souvenirs de télé. Ah, les Magnolias, pas sans elle. Ouais, je peux te poser une question? Mais par exemple, de moi, qu'est-ce que t'aimes comme chanson? Oh bah, de toi, c'est simple. Il suffit de te regarder et on chante ben, 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 comme un jour. Oh bah écoute, merci. Là, je t'en prie. Non, mais c'est gentil comme compliment, mais alors, le problème, c'est que c'est encore une chanson de Claude François. Tu vois? Ah bon? Bah, ah oui. Ah bon. Donc, il l'avait pas écrite pour toi? Ah mais non, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore... Belle? Non, j'étais pas encore son amie. Ah. Bon, mais écoute, si tu veux qu'on chante que des chansons de Claude François, moi, après tout, pourquoi pas? Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore les mêmes mélodies. Wow, 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 mais ouais. C'est quoi ça? C'est une chanson de toi? Ah, non, mais pas du tout, là on est dans le répertoire de Claude François. Bon, alors, moi je me demande juste pourquoi je suis venue. Mais bon, écoute, il n'y a pas de problème, moi je suis là pour te faire plaisir, on va faire ce qui te plaît. Non, non. Attends, on reste dans ton répertoire. Ah bon? Attends, je me souviens, t'avais pas chanté en anglais à un moment? Ben si, tu veux parler de Spacer? Non. Ah. I did it my way. Oui, alors là, ça va quand même être très compliqué. Non, mais tu sais, la première que j'ai apprise de toi, c'est le lundi au soleil. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Ouais. À chaque fois, c'est pareil. Ouais. C'est quand on est derrière les carreaux. Tu sais quoi? Ça a été un de mes plus grands tubes, ça. Ça, et si j'avais un marteau? Ah oui, ah bon? Ah, c'était pas une chanson de Claude, ça? Oh non, mais non, mais Pierre, mais ça va pas du tout. Je te le dis, ça va pas. Non, mais franchement, tu sais à qui tu parles? Bah oui, à une des meilleures amies de Claude François. Non, non, mais... Quand on est face à Sheila, eh ben, on chante une chanson de Sheila. Ah, tu vois? On chante... Vas-y, vas-y, dis-moi. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Tu vois, c'est pas si difficile. Mais oui, j'ai compris. J'ai compris. Je suis vraiment désolé, Sheila. Oh, grave. Je l'aime. Je l'aime. Ah là là, qu'est-ce qui nous manque, tous ces grands humoristes. Sylvie Joly, Guy Bedos, Pierre Desproges, Coluche, Raymond DeVos. Raymond DeVos, c'était le roi des mots, c'était le magicien de la langue française. Ah, ça, les textes qu'il écrivait étaient insensés. Hein. Enfin, il y a avec De Vos pour jouer du De Vos. Hein. Oui, ou alors un grand acteur, tu sais, un grand comédien classique. Un comédien de la Comédie française. André Dussolier. André Dussolier? Oui. Il le ferait, tu penses? Bah, bien sûr, André Dussolier. De Vos, André Dussolier, bien sûr. Génial. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en-dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en-dessous. Alors, le locataire qui est en-dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en-dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi, je sais très bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Et je compte pas trop dessus. D'abord parce que j'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que
comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait eu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su, et un jour que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous, je l'ai su. Parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les dessous, ils sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Melouen Leroy a chanté en duo avec Hugo Frey, mais elle ne fait pas que passer sa vie sur des bateaux avec lui. De temps en temps, elle chante toute seule. Et là, elle chante son dernier succès, La Houle. Houle. Eh bien voilà, c'est fini. J'espère qu'avec ma bande de copains, avec ma fine équipe, on a réussi à vous distraire, à vous émouvoir, à vous faire chanter, à vous faire rire. On espère vous revoir une prochaine fois. Et merci à Marie-Thie Gilbert Carpentier pour nous avoir donné l'idée de cette liberté à la télévision. Au revoir, à bientôt.
Merci.